Bien, bonsoir à tous et toutes. Alors aujourd'hui, on a le grand honneur d'accueillir parmi nous Mireille Boyden, qui est une récidiviste d'ailleurs, elle était déjà l'année passée. Alors j'ai un long CV, je vais essayer de résumer. Donc Mireille Boyden, en fait, elle est spécialiste, c'est quelqu'un d'assez rare parce qu'elle est spécialiste. Elle a deux doctorats, déjà c'est assez rare. Mais en plus, ce sont deux doctorats qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui parce qu'elle a un doctorat en philosophie. Elle vient d'ailleurs de me dire qu'elle était prof de philo à l'école de droit de Lumons il y a un certain temps. Donc doctorat en philosophie et doctorat en droit. Donc vous mélangez les deux et en plus elle s'intéresse depuis très longtemps à l'intelligence artificielle. Donc ça fait des compétences vraiment particulières par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est aussi avocate, donc elle est à la base licenciée en droit, etc. Et elle est spécialiste en propriété intellectuelle. Elle dirige l'office de propriété intellectuelle d'un cabinet d'avocats qui est signalé ici. D'ailleurs, c'est le cabinet Janson Bounier. Voilà, donc je suis vraiment très content de l'avoir ici aujourd'hui. Et puis, je sais, parce que je l'ai vécu l'année passée, qu'elle va raconter des choses passionnantes. Et en plus, elle m'a annoncé qu'elle avait déjà modifié son exposé. Donc, je l'écouterai avec d'autant plus de plaisir. Je n'ai pas tout modifié, j'ai modifié une partie. Bonsoir. Alors, on va faire un peu de droit, mais on va faire du droit light, parce que vous n'êtes pas juriste. Et on va se promener un petit peu dans ce point de suture entre le droit et l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'on est encore largement dans le brouillard, mais enfin, il y a des idées assez amusantes qui émergent. Alors, on va d'abord un petit peu voir ce qui se passe. Enfin, quelque chose que vous connaissez sans doute, mais qui vont nous permettre de poser les questions qu'on va devoir traiter aujourd'hui. Alors, en novembre 2017, au Japon, on a accordé le statut de résident officiel de la ville de Tokyo, enfin d'un quartier de Tokyo, à une machine qui s'appelle Mirai et qui se présentait comme un garçon. Alors, ça n'a l'air de rien, mais comme on va le voir, ça a donné lieu à un débat devant le Parlement européen, à une recommandation du Parlement européen sur le statut qu'il fallait accorder à l'intelligence artificielle. Parce qu'on va le voir, l'intelligence artificielle, c'est bien plus qu'une machine, mais c'est bien moins qu'une personne. Et donc, est-ce qu'on peut présenter une intelligence artificielle comme une sorte de personne? Donc, quel est le statut à leur accorder? Alors, autre fait divers, autre question juridique, c'est la responsabilité des dommages créés par l'intelligence artificielle. Il y a déjà eu des cas d'accidents mortels avec des voitures sans chauffeur qui ont écrasé un piéton. Apparemment, la voiture aurait pu s'arrêter, mais ne s'est pas arrêtée. Et donc, qui est dans ce cas-là responsable? Est-ce que c'est l'utilisateur de la voiture, celui qui est dans la voiture? Ben non, il ne conduit pas. Est-ce que c'est le concepteur de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture? Est-ce que c'est le piéton? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, le problème se pose avec les voitures, mais pas que, parce qu'on parle beaucoup des voitures sans conducteur, mais pas que, évidemment. Il y a, par exemple, le problème des drones et les livraisons par drone qui peuvent laisser tomber, et c'est déjà arrivé, des paquets, ce qui est embêtant pour celui qui a commandé le paquet, mais c'est aussi embêtant pour celui qui se trouve en dessous. Et donc, pour l'instant, il y a des phases de test pour commencer à faire des livraisons par drone et donc des drones totalement automatisés. Et apparemment, UPS teste des livraisons où le toit de ces camions, donc la livraison se ferait par drone pour les dernières centaines de mètres, hein, et le toit du camion servirait d'héliport. Donc, vous voyez qu'on est dans la science-fiction. Alors, plus près de chez nous, à Anvers, en 2019, là maintenant, il y a quelques mois, eh bien, on utilise l'intelligence artificielle pour aider les radiologues. Donc, l'intelligence artificielle preste des services à haute valeur intellectuelle ajoutée puisqu'elle aide les radiologues. Et c'est tellement apparemment, alors je ne l'ai pas testé, mais c'est tellement au point qu'on demande maintenant au médecin, s'il ne se range pas à l'avis de l'intelligence artificielle, c'est à lui d'apporter la preuve, à lui en tout cas de donner les motifs qui l'ont amené à se départir de la décision prise par l'intelligence artificielle. Alors, dans mon domaine aussi, l'intelligence artificielle preste des services à valeur ajoutée puisqu'ils interviennent et ils font du travail qui, auparavant, était donné à des stagiaires, à des avocats, notamment dans les fusions-acquisitions, etc. Ils analysent des documents, ils traduisent aussi des documents. Et je vous laisse regarder la petite blague à l'écran, mais c'est tout à fait ça. Alors,
Dans la finance aussi, donc ils prestent et ils contractent dans la finance. Ça aussi, on va voir que ça pose une question juridique très intéressante. Donc vous avez dans le trading à haute fréquence des ventes et des achats qui sont faits intégralement par la machine. La machine décide de vendre, la machine décide d'acheter. Donc vous avez une machine qui passe un contrat. Ah bon ? En principe, seul un individu peut passer un contrat. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces contrats de vente et d'achat passés par des machines ? Alors, évidemment, l'intelligence artificielle permet aussi de manipuler la réalité. Ça, c'est assez amusant. Vous avez un logiciel qui permet de filmer un acteur. Donc, on me filme, moi, en train de parler. Et puis, on peut reproduire ce que je dis, les mouvements de mon visage, en prenant, par exemple, le visage de Trump. Donc, vous avez l'input ici, l'acteur qui parle. Et puis, c'est manipulé et on parvient à faire que ce soit Trump qui vient de dire ce que je dis en bougeant son visage. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et évidemment, ça permet de produire des fake news, mais pas seulement simplement des fake news textuelles, ça c'est le XXe siècle, ce sont des faux films. Donc je peux, moi, faire dire à Macron qu'il va abandonner sa réforme des retraites. Je peux faire dire ce que je veux à qui je veux, et donc ça va évidemment révolutionner notre relation à l'image, notre relation à la vidéo, notre relation à la vérité, évidemment. On a l'impression que si on l'a vu, c'est que c'est vrai. Même quand je l'ai vu, il l'a dit. Ah ben non, c'est pas lui. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui a reproduit, en utilisant les traits de Macron, un discours tenu par Mireille Beudens, ce qui est nettement moins glamour. Alors, dans mon domaine aussi de prédilection, qui est la propriété intellectuelle, il y a quelques mois, une université en Angleterre a essayé de tester les offices, donc les offices de brevets, en disant quelle va être la réaction des offices des brevets si je dépose un brevet et que je nomme comme inventeur une intelligence artificielle. Et ça n'est pas un cas d'école, puisque vous avez maintenant, par exemple, on veut tester des molécules, eh bien, c'est les tests des molécules, les révisions des molécules sont faites par la machine, c'est automatisé, évidemment. Ce sont des processus automatisés. À un certain moment, vous découvrez une molécule avec des propriétés antifibrotiques, mais c'est la machine qui l'a découvert. Est-ce que vous pouvez déclarer la machine comme inventeur ? C'est pas seulement une question théorique, c'est une question très pratique, parce qu'évidemment, qui aura les droits sur cette molécule découverte par la machine ? Nous allons en parler également. Dernier domaine intéressant, c'est la possibilité pour l'intelligence artificielle de créer des œuvres. On verra que maintenant, de plus en plus, enfin, deux étudiants d'une école de commerce ont une idée assez géniale. Aidés d'un programmeur, ils ont conçu un programme qui permet de screener des œuvres et puis, ayant analysé, des milliers d'œuvres, il détecte des patterns, il détecte des styles, et puis il mélange tout ça, et il crée un tableau qui, en l'espèce, s'appelait le Comte de Bellamy. Bon, moi, je trouve ça assez moche, et c'était estimé au départ à 7 000, 10 000 euros. Ça s'est quand même vendu 500 000 euros, quoi. Donc, deux étudiants de l'école de commerce qui n'avaient jamais tenu un pinceau de leur vie, avec un informaticien, ils ont nourri la machine avec des images, ils ont produit un machin, et ce machin s'est vendu 500 000. Donc, vous avez, si on résume, différents types de robots. Vous avez les robots qui prestent des services à valeur intellectuelle ajoutée, comme le conseil financier, le conseil au radiologue, la chirurgie, la négociation et la conclusion de contrats commerciaux, services à valeur intellectuelle ajoutée. Vous aurez des robots qui vont réaliser des services à la personne, dans l'éducation, dans l'assistance aux personnes âgées, c'est assez avancé ça pour le coup. Il y a aussi les babyphones particulièrement performants. Il y a le divertissement, hein, ce qu'ils appellent le 4E, Everyday, e-health, education and entertainment. Alors, à côté de ça, vous avez les robots plus techniques, hein, ceux qui prestent des services de livraison, de nettoyage, ou bien qui font des prestations industrielles qu'on n'a plus envie de confier aux êtres humains. Je lisais hier qu'il y a maintenant un robot qui, par intelligence artificielle, peut repeindre des façades. Hein, et donc, ça permet d'éviter d'envoyer des ouvriers sur des façades dangereuses. Eh bien, vous avez la possibilité de faire repeindre avec un robot qui calcule alors la quantité de peinture exacte qu'il faut utiliser, etc. C'est beaucoup plus rentable qu'un ouvrier. Et donc, ces différents types de robots vont poser des actes qui sont pertinents pour le juriste. Ils vont négocier et conclure des contrats, ils vont prester des services et donc ils pourront causer des dommages. L'intelligence artificielle peut se tromper quand elle analyse votre radio,
c'est moins probable que le radiologue, mais c'est quand même pas exclu. La voiture intelligente peut également causer un accident, le drone peut laisser tomber son paquet, etc. Par ailleurs, on va collecter de grandes quantités de données, et ces données vont servir à quoi ? À vous profiler et à prendre des décisions automatisées. Et enfin, comme on l'a vu, l'intelligence artificielle réalise des inventions et crée des œuvres. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aux juristes. Premier problème qu'on va aborder, qui est assez amusant, c'est quel statut donner à l'intelligence artificielle ? Deuxième problème, qui est responsable en cas de dommage ? Dommage causé par l'intelligence artificielle, donc soit le cas de la voiture sans conducteur, par exemple, mais aussi le cas de l'implant bionique qui serait implanté dans votre corps. La question de la protection de la vie privée, évidemment, et la question de l'intelligence qui intervient dans les processus créatifs. Alors, premier cas, ça va être le statut de l'intelligence artificielle. Mais avant d'arriver dans ce statut, quelques mots du Parlement européen. Il y a quelque chose de fascinant qui montre qu'on change de paradigme. C'est qu'en 2017, le Parlement européen a adopté une recommandation sur la robotique. Recommandation à la Commission. Donc la Commission est censée suivre les avis du Parlement européen qui dit « Commission, vous devez faire ceci ». Oui, oui. Et alors, vraiment, ça vaut la peine de la lire parce qu'on est vraiment dans un autre monde. Ce sont des gens qui, d'habitude, ne sont pas lyriques. Les parlementaires européens sont des gens très terre-à-terre. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ils disent « Considérant que, depuis la créature de Frankenstein, imaginée par Mary Shelley, au mythe antique de Pygmalion, en passant par le golem de Prague et le robot de Karel Čapek, inventeur du terme, les humains ont rêvé de construire des machines intelligentes, le plus souvent des androïdes à figure humaine, on les voit rêver. Considérant que maintenant que l'humanité se trouve à l'aube d'une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiquées semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle, etc. etc. Alors quand vous avez un législateur qui, pour légiférer, se réfère à un romancier ou à un mythe, vous êtes mal parti. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont légèrement dépassés par les événements et ça vaut la peine d'aller retrouver cette recommandation sur Internet. Qu'est-ce qu'ils proposent comme ligne directrice à la Commission pour réglementer la robotique ? Les lois d'Asimov. Donc, vous voyez que... Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir l'attitude du Parlement européen, donc l'attitude, si vous voulez, de l'Europe, par rapport à l'attitude au Japon. En Europe, et vous l'avez vu, c'est les premiers mots de la recommandation du Parlement européen, quand on parle robotique, le premier réflexe du non-juriste, c'est de dire la machine intelligente, ça va être le golem, ça va être Frankenstein. Donc ce sont des images assez négatives. C'est dangereux. Et ça vient du fait que dans notre culture judéo-chrétienne, les hommes ont une âme, nous on a une âme. Et face à nous, il y a les choses, et les choses n'ont pas d'âme. Et si vous donnez une âme à la chose, si la chose commence à ressembler à un être humain, vous faites quelque chose de contre-nature. Et si vous faites quelque chose de contre-nature, ça va forcément mal tourner. Et donc, que ce soit le golem, Frankenstein, Maria ou Ava dans le film plus récent de Ex Machina, ce sont toujours des êtres qui finalement tournent mal et ça se finit donc pas de la meilleure manière possible. Alors qu'au Japon, comme c'est une culture shintoïste, vous n'avez pas cette dichotomie entre les êtres humains et les choses. Finalement, tout est une question de degré et non de nature. Les choses ont elles aussi une forme d'âme, donc vous avez un continuum et donc vous n'avez pas cette idée que le robot est un être contre nature. Il va ressembler un peu plus à l'être humain, eh bien oui, soit, mais... en soi, ce n'est pas plus grave que ça. Et donc, vous voyez ça aussi dans les personnages d'androïdes qui, pour le coup, ont plutôt une tonalité positive. Bimax, par exemple, Bimax, il est adorable, c'est un robot, mais il est très sympa. La même chose pour Astro, Goldorak, ce sont plutôt des robots qui aident et qui sauvent l'humanité. Donc, c'est une autre approche que je résume en disant chez nous, c'est plug and pray, et chez eux, c'est plug and play. Alors, quel statut juridique pour l'intelligence artificielle ? Eh bien, quand les juristes se sont posé la question, ils se sont dit, au fond, l'intelligence artificielle, ça n'est pas vraiment une chose. C'est un peu une chose qui pense. Et donc, très sérieusement, on a proposé de réactiver pour l'intelligence artificielle
le statut des esclaves en droit romain. Parce que comme l'esclave en droit romain, l'intelligence artificielle est un être, enfin c'est une chose qui appartient à quelqu'un, donc de ce côté-là c'est une chose, mais c'est une chose qui réfléchit, qui interagit avec son environnement, qui peut conclure des contrats. Et donc le statut de droit romain des esclaves bah, paraît tout à fait adapté à l'intelligence artificielle, puisque lorsqu'un esclave contracte, en réalité, c'est le dominus, donc c'est le propriétaire, qui devient la partie contractante. Alors, l'inconvénient, évidemment, du statut d'esclave, ont tout de suite relevé d'autres personnes, c'est que les esclaves, malgré tout, étaient perçus dans la réalité, ils étaient plutôt perçus comme des êtres humains, évidemment. C'était juridiquement des choses, mais tout le monde se rendait bien compte qu'ils étaient des êtres humains et que finalement, ils ont été affranchis. Et donc, est-ce que ça n'est pas s'engager dans une voie glissante que de reconnaître le statut d'esclave à des machines ? Je vous laisse profiter. Je vous laisse profiter du petit dessin que je trouve aussi très amusant. Alors, qu'a dit le Parlement européen ? Eh bien, il a dit au fond, finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas conférer aux robots, à l'intelligence artificielle, une véritable personnalité ? Une personnalité, certes, sui generis, mais enfin, les considérer comme des personnes, un peu comme les esclaves de droit romain. Et donc, que fait le Parlement ? Il demande à la Commission d'envisager de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers. En disant finalement, comment est-ce qu'on définit nos juristes de l'intelligence artificielle ? Eh bien, c'est une machine qui est capable d'apprentissage, qui interagit avec les tiers et qui est autonome. Eh bien, ces machines devraient se voir reconnaître la personnalité électronique. J'ouvre une parenthèse et on va retrouver l'idée tout à l'heure. C'est assez amusant parce que si vous allez dans cette voie-là, alors la porte est ouverte pour reconnaître la personnalité juridique aux animaux. Parce que les animaux, ils sont autonomes ? Oui, ils sont autonomes. Ils interagissent avec leur environnement ? Ah bah oui. Et ils apprennent ? Ah bah oui. Bon, ils ne nous servent pas. On est bien d'accord, ils ne sont pas très utiles. Ils ne sont plus très utiles. Quoique, mais peut-être moins que l'intelligence artificielle. Mais si vous admettez ça, alors évidemment, vous admettez aussi la personnalité pour les animaux. Et vous allez voir que le parallèle a été repris en jurisprudence. Alors, ceux qui défendent cette idée disent « Mais oui, mais finalement, il existe déjà des personnalités qui ne sont pas des êtres humains. Une société, une société commerciale, une commune, un État, c'est des personnalités virtuelles. Et elles prennent des décisions, elles contractent, etc. » Évidemment, la différence, c'est que derrière une personnalité morale, comme une société, un État, une commune, il y a toujours des personnes physiques, évidemment. Alors, donc, le Parlement donne ça à la Commission. Voilà ce que nous recommandons. Alors, la Commission répond le 25 avril 2018 au Parlement, l'intelligence artificielle pour l'Europe. Qu'est-ce qu'elle dit à la suggestion du Parlement de conférer la personnalité aux robots ? Elle ne répond pas. Silence poli, il trouve ça un peu gênant. Pourquoi est-ce qu'il trouve ça un peu gênant ? Parce qu'entre-temps, 208 experts en robotique ont écrit une lettre ouverte à la Commission. Et dans cette lettre ouverte à la Commission, le Parlement en prend vraiment pour son grade. Donc ils expliquent la création d'un statut juridique de personne électronique pour les robots autonomes, imprévisibles et auto-apprenants est justifiée par l'affirmation erronée qu'on ne pourrait pas solutionner le problème autrement. Et alors, c'est fascinant, regardez ça. Cette déclaration du Parlement offre de nombreux biais basés sur une surévaluation des capacités réelles des robots les plus avancés, une compréhension superficielle des capacités d'imprévisibilité et d'auto-apprentissage et probablement une perception des robots déformée par la science-fiction. Bien vu, bien vu. Et donc, disent-ils, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce qu'on ne peut pas imaginer un robot qui aurait la personnalité et qui donc aurait quoi, une sorte de charte de droits humains, ça n'a pas de sens. On ne peut pas non plus dire que le robot aura la personnalité comme une personne morale, parce qu'une personne morale, c'est une fiction, mais derrière la personne morale, vous avez des personnes physiques, évidemment.
Et puis, ça ne peut pas être un trust non plus. Vous avez dit, oui, c'est un peu comme le trust anglo-saxon. Mais non, ce n'est pas comme le trust, parce que derrière toutes ces personnes morales, quelle que soit la façon dont vous les appréhendez, vous avez toujours une personne physique. Et donc, le Parlement européen a, je ne sais pas s'ils ont compris, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans sa nouvelle résolution de 2019 sur l'intelligence artificielle et la robotique, eh bien, le Parlement ne revient plus sur l'idée d'une personnalité électronique. Est-ce que ça veut dire que ça a complètement disparu des écrans? Pas totalement, donc c'est quelque chose évidemment à suivre. Alors, donc, ça c'était la première question. Quel statut? Deuxième question, quel impact sur la vie privée? Ben, on sait, et c'est déjà le cas maintenant, enfin, qui n'a pas un assistant du style Alexa, des babyphones intelligents, des robots pour s'occuper des personnes âgées, etc. Et donc, surtout dans le domaine des soins à la personne, que ce soit des enfants ou que ce soit des malades ou des personnes âgées, il y a évidemment beaucoup de recherches pour faire entrer de l'intelligence artificielle et des robots dans ce domaine. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, notamment le fait que les enfants qui, dès le plus jeune âge, seront habitués à interagir avec des machines, est-ce que ça ne va pas impacter leur perception des relations sociales? Autrement dit, quel sera leur mécanisme d'attachement alors que quand ils étaient petits, une machine leur a donné des soins et était sans doute beaucoup plus disponible, beaucoup plus attentive, ne s'énervant jamais, étant toujours à l'écoute, à la différence des parents qui, eux, doivent courir et sont beaucoup moins disponibles parce qu'ils doivent gagner l'argent pour payer la machine. Donc, est-ce que ça n'aura pas un impact qu'on mesure mal sur l'attachement des enfants? Plus concret encore, c'est sur les personnes âgées. On leur donne un robot qui permet aux personnes démentes ou aux personnes qui ont différents handicaps de rester chez elles. Et donc, ces personnes âgées qui ne voient jamais leurs enfants, mais qui voient tous les jours le robot, est-ce qu'elles ne vont pas s'attacher au robot? Et si le robot, d'une manière ou d'une autre, a une personnalité juridique, est-ce que ces personnes âgées ne finiront pas par léguer leurs biens au robot, évidemment? Donc, ça pose évidemment un certain nombre de questions. Alors, avec l'intelligence artificielle à la maison, on va évidemment collecter un très grand nombre de données qui profiteront à celui qui donne ces données, mais qui profitera évidemment aux tiers auxquels les données seront communiquées. Alors, premier exemple, c'est le Smart Fridge de Samsung, qui analyse le contenu de votre frigo et prend des shelfies. Et avec les shelfies, il va vous dire, ah, mais vous avez encore de la feta et des tomates, vous pourriez peut-être faire des Saganaki Scampi avec votre feta et votre tomate, et il tient compte de vos intolérances, de vos préférences, des dates de péremption, etc. Et bien entendu, ils communiquent aussi les données au supermarché. D'un côté, ils vous les communiquent à vous, mais de l'autre, évidemment, dans les conditions d'utilisation, vous allez voir que celui qui met sur le marché ce genre de produit se réserve la possibilité de communiquer les données à des tiers. Et c'est d'ailleurs là où se trouve essentiellement la source de revenus. Autre exemple, les smart meters. Donc, ça vous permet de gérer votre chauffage à distance, etc. Fabuleux, vous avez toutes les informations. Oui, mais il y a évidemment un deuxième agenda, un agenda caché dans la diffusion de ces smart meters, c'est que ça permet d'informer votre fournisseur, mais aussi les autorités qui songent à utiliser les smart meters pour vous taxer plus ou moins, selon que vous aurez un comportement plus ou moins écologique. Si vous prenez de longues douches, vous paierez plus cher que celui qui consomme la même quantité d'eau chaude, mais il a 3 enfants, donc en moyenne, les douches sont plus courtes. Et donc, ça vous permettra évidemment d'être davantage taxé. Alors, amusant aussi, la possibilité de pirater les télévisions, ça c'est un cas tout à fait réel, où donc un logiciel espion dans la télévision faisait semblant que la télévision était off alors qu'elle était encore on, et ça permettait d'écouter les conversations qui se tenaient dans la pièce. Autre cas tout à fait réel, c'est la Xbox qui est connectée, mais qui est connectée dans les deux sens. Donc, non seulement vous pouvez lui donner des ordres et elle répond aux ordres de son utilisateur, mais elle collecte également des données qui sont transmises à des tiers. Et donc, la privacy policy de Microsoft précise que ce que vous dites à votre box, eh bien, peut être communiqué à des affiliates and vendors en même temps que tous les bruits de fond.
Donc, flux de données, évidemment, vers des publicitaires éventuels. Autre exemple, ce sont les babyphones, hein, où Motorola avait mis sur le marché ce babyphone, mais a dû le retirer parce qu'en fait, les autorités américaines ont averti du danger de hacking, parce qu'on s'était rendu compte que le babyphone pouvait être hacké et était hacké par des pédophiles qui s'adressaient à vos enfants en leur demandant d'enlever le pyjama. C'est tout à fait vrai. Hein. Donc, on en arrive à la maison connectée avec tous ses avantages, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous serez en permanence sollicité pour votre plus grand bien et le plus grand bien des affiliates and vendors par les objets que vous aurez, les objets connectés que vous aurez acquis. Alors, ça pose évidemment toute une série de questions. La première question, c'est qu'avec l'Internet des objets, ça n'est pas seulement votre moi virtuel en ligne qui devient transparent, mais votre moi physique, évidemment. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de laisser des traces sur Internet, on pouvait vous traquer via Facebook, via votre compte Twitter. On connaissait votre moi virtuel, les traces que vous laissez en ligne. Avec l'IoT, on vous connaît vous-même physiquement. On sait ce qu'il y a dans votre frigo, on sait si vous prenez des douches chaudes, on sait si vous achetez, vous allumez les lampes, comment, quelle est votre politique en matière de... à quelle heure vous mettez vos enfants au lit, quelle musique vous écoutez, etc. etc. Donc cette fois-ci, c'est la personne elle-même qui devient transparente, avec une augmentation évidemment faramineuse des données collectées, et aussi les problèmes de vulnérabilité, parce que l'Internet des objets, les objets connectés, ne sont pas intégrés dans des structures IT protégées et sont en général facilement hackables. Avec évidemment la conséquence possible que les citoyens finissent par ne plus faire confiance à l'Internet des objets et que donc ça peut à terme avoir un impact sur la viabilité économique de ce modèle. Alors, quel est le problème fondamental ? Un des problèmes fondamentaux. Premier problème fondamental, c'est le problème de la black box des algorithmes. Et ça, vous allez voir que c'est une obsession qui revient de manière régulière et à juste titre d'ailleurs dans toutes les recommandations et les textes européens. C'est le problème de manque de transparence des algorithmes. Vous savez qu'AlphaGo peut battre au jeu de Go Lee Sedol, le champion du monde, mais vous ne savez pas comment. Et ça pose un problème. Et quand vous voyez que les autorités norvégiennes disent dans la presse, annoncent de manière tout à fait décontractée qu'elles ont des logiciels qui leur permettent de traquer les fraudeurs, mais elles ne savent pas comment ils marchent, c'est ce qu'ils disent. On a un logiciel qui nous donne des profils à risque parmi les contribuables. Mais vous savez quoi ? On ne sait pas comment il marche. Tout ce qu'on voit, c'est que finalement, ça nous permet de rentrer de l'argent. Il y a quand même une question, évidemment, à se poser. Alors, ça, c'est le premier problème, la black box. Deuxième problème, ce sont évidemment les biais. Les gens ont tendance à croire, surtout les gens comme moi, moins les gens comme vous, parce que vous êtes spécialisés, mais que si c'est la machine, par définition, c'est plus objectif. Ce qui est évidemment faux, parce que l'algorithme étant fait par un être humain, on a remarqué au moins deux biais dans les algorithmes les plus fréquents. La première chose, c'est qu'ils sont faits par des hommes blancs, et donc ça reflète les préférences et la façon de penser des hommes blancs. Et la deuxième chose, c'est que ça a, par définition aussi, hein, tendance à discriminer, c'est l'autre face de la même médaille, à discriminer, par exemple, les Noirs. Et donc, on s'est rendu compte que l'IA utilisée par les autorités américaines pour évaluer les risques de récidive, eh bien, ils avaient tendance à surchoisir les Noirs, donc à définir comme profil à risque. Le fait d'être Noir vous donnait un coefficient nettement plus important, et donc ça, il y avait un effet, un biais racial. Alors, comment lutter contre le manque de transparence et contre les biais ? Eh bien, l'Union européenne, en 2019, a proposé l'utilisation des bacs à sable, ce qu'on appelle les regulatory sandboxes, donc les bacs à sable réglementaires. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre votre intelligence artificielle dans un bac à sable, c'est-à-dire, en fait, de la tester, l'entraîner en situation réelle pour voir si elle est conforme avec la réglementation en vigueur et avec les principes éthiques proposés. Donc on la met en situation et on l'entraîne pour voir si elle répond aux règles en vigueur. Alors, problème évidemment, donc vous avez la black box, vous avez les biais.
Le problème aussi de l'intelligence artificielle, c'est son évolutivité. C'est le fait que l'intelligence artificielle évolue et donc les objectifs de la collecte de données évoluent aussi. Au temps T, vous aurez collecté les données pour un objectif A, mais à T plus 5, vous aurez collecté les données et ces données seront utilisées à une autre finalité parce que le logiciel lui-même aura évolué. Alors, autre problème qu'on va regarder, c'est le problème du profilage et des décisions automatisées. Parce qu'évidemment, pourquoi est-ce qu'on recueille toutes ces données ? On recueille ces données pour les utiliser. Les utiliser à quoi ? Les utiliser à mieux connaître son consommateur. Pourquoi faire ? Pour prendre une décision à son égard, lui donner un crédit ou pas, tenter de lui vendre un objet ou de lui prester un service. Alors, l'Union européenne a énormément légiféré ou tenté de prendre des lignes directrices en la matière ces dernières années. Ça a commencé avec la célèbre résolution du Parlement européen de 2017, mais il y en avait déjà une en 2010 sur l'Internet des objets. Il y a aussi, très intéressant, les recommandations, ce qu'on appelle l'article 29 Working Party, qui émet des recommandations en matière de vie privée et qui accorde beaucoup d'attention au développement technologique. Et différentes résolutions. Mais alors, le truc le plus intéressant, c'est évidemment le fameux règlement bien connu sous l'abréviation RGPD. Et c'est dans le RGPD qu'on trouve les normes de droit positif susceptibles d'impacter la matière. Alors, le RGPD, bien entendu, ne s'intéresse pas à l'intelligence artificielle en tant que telle, mais il contient des pistes de solutions aux problèmes qu'on a évoqués. Pistes de solutions parce que le RGPD nous dit que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente. On va voir comment ça s'applique à l'intelligence artificielle. Et puis il nous dit, voilà, vous collectez des données pour entraîner votre machine, ça doit être licite, loyale et transparent, on va voir ce que ça veut dire. Et en cas de problème, c'est vous responsable du traitement qui êtes responsable, qui allez assurer les conséquences. Et qui est le responsable du traitement ? C'est celui justement qui définit les finalités du traitement de données. Alors, principe de transparence, très important, parce que je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui revient de manière permanente. Qu'est-ce que ça veut dire en substance ? Eh bien, ça veut dire que quand je récolte des données, par exemple pour entraîner une intelligence artificielle, je dois fournir des informations aux personnes dont je prends dont je capte les données. Et je dois notamment leur expliquer la logique sous-jacente et les conséquences du traitement. Donc la logique sous-jacente, c'est comment vos données vont-elles être traitées et avec quelles conséquences pour vous. Et évidemment, on retrouve ici le problème que je mentionnais il y a quelques instants, qui est le problème de la black box. Comment expliquer la logique sous-jacente ? Dans les années 2000, avant l'intelligence artificielle, on faisait des traitements de données plus ou moins mécanisés, mais on savait comment ça marchait, c'était très simple. Avec l'intelligence artificielle qui elle-même apprend, avec les phénomènes de deep learning, etc., c'est évidemment beaucoup plus compliqué. D'autant que, si vous dites aux fabricants d'intelligence artificielle, mes chers amis, vous devez expliquer, vous devez mettre dans le domaine public, expliquer à tout le monde la façon dont fonctionne votre logiciel. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Mais vous voulez rire, c'est mon secret d'affaires. Le secret d'affaires est protégé par la directive secret d'affaires. Donc je ne vais pas aller vous dire comment ça marche, parce que les Chinois demain vont me copier. Donc vous avez là évidemment la confrontation de deux exigences. D'un côté, expliquer, de l'autre côté, le droit de garder secret. Alors, ça, c'est pour le principe de transparence. Deuxième principe, c'est le principe de loyauté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut éviter les traitements déloyaux ou discriminatoires, et donc éviter les biais dans les algorithmes. Fort bien. Alors, à nouveau, comment est-ce qu'on contrôle la façon dont tout ça est réalisé ? C'est évidemment une autre paire de manches, puisqu'on va alors se heurter à nouveau au problème de la black box. Mais enfin, dit l'Union européenne, dans la mesure du possible, essayez de traiter soit des données anonymes, soit alors des données qui
ne permettent pas de déceler l'origine ethnique, la religion, l'opinion politique, etc., des personnes que vous avez utilisées. Troisième principe, c'est le principe de limitation du traitement aux finalités annoncées. Ça veut dire qu'en principe, si je récolte des données, ben je dois dire à la personne, j'ai pris vos données, ça sert à ça. Exemple, vous commandez un frigo chez Van Den Borre, ils vont vous demander un certain nombre de choses pour vous livrer votre frigo. Ils ont besoin de connaître votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Pour vous livrer le frigo. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est prendre ces données et puis les utiliser à une autre finalité. C'est ce qu'on appelle le repurposing. Hein. Donc le fait de changer la finalité. Mais bien entendu, sinon on ne serait pas, on ne serait pas du droit, il y a évidemment des exceptions. Alors, quelles sont ces exceptions ? Première possibilité, le nouvel objectif est compatible avec l'objectif initial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bonne question. Deuxième exception, ça c'est facile, la personne a consenti. Vous donnez votre autorisation et puis on vous demande et vous êtes d'accord pour que... Oui, je suis d'accord parce que vous voulez aller vite, vous voulez passer au suivant et donc vous êtes d'accord. Troisième possibilité, et là ça c'est vraiment un peu l'arnaque, ce sont les objectifs spécifiques autorisés. On dit... En principe, on ne peut pas changer la finalité, sauf si, et ça a l'air tout à fait innocent, sauf si on fait ça, par exemple, dans le cadre de la recherche scientifique. Ça a l'air légitime, on est bien d'accord. Sauf que la directive nous dit que la recherche scientifique, c'est un concept qui doit être interprété au sens large et couvrir, par exemple, le développement et la démonstration de technologies. Mais si vous faites tourner un logiciel d'intelligence artificielle, il va donc apprendre en même temps qu'il travaille. Alors, est-ce qu'on est encore dans la recherche ? Est-ce qu'on est dans le développement de la technologie ? Ah oui, la technologie se développe, c'est sa nature même. Donc, on est dans la recherche scientifique. Donc, il ne faut pas l'autorisation. Et hop. Alors, autre principe du RGPD, c'est le principe de la minimisation des données. Donc, ça, c'est l'idée que, quand je collecte des données, je peux prendre que les données qui sont nécessaires et qui sont pertinentes. Pour reprendre mon exemple de la livraison du frigo, je peux vous demander votre numéro de téléphone, votre adresse, mais je ne peux pas vous demander si vous êtes un homme ou une femme et quelle est votre profession, parce que pour vous livrer un frigo, je n'ai pas vraiment besoin. Donc, minimisation des données. Évidemment, à nouveau, comme l'intelligence artificielle est évolutive, quelles sont les données pertinentes et nécessaires ? Les données pertinentes et nécessaires au temps T ne seront pas nécessairement les données pertinentes et nécessaires au temps T plus 10, évidemment. Et donc, on demande aux développeurs d'éduquer le modèle avec des données aussi anonymes que possible pour justement éviter le traitement de données qui seraient non nécessaires, qui se révéleraient non nécessaires. Alors, autre question traitée par le RGPD, et qui est évidemment cruciale, c'est la question du profilage. À nouveau, pourquoi je récolte les données ? Pas juste pour le plaisir de récolter les données, c'est pour mieux vous connaître. Et donc, c'est pour faire en réalité ce que la directive appelle du profilage. Le profilage, c'est connaître quelqu'un pour évaluer et prédire. Je récolte des données pour vous connaître, et qu'est-ce que je veux savoir ? Mais je veux pouvoir vous évaluer, vos capacités financières, par exemple, votre capacité de remboursement, et je veux aussi prédire votre comportement. Alors, pourquoi est-ce que je fais du profilage ? Je fais du profilage pour, à un certain moment donné, prendre une décision automatisée. La machine va analyser vos données et, en fonction de votre profil, va vous accorder votre crédit pour votre nouvelle voiture, oui ou non, c'est beaucoup plus fiable. Enfin, c'est censé être plus fiable et plus rapide qu'une analyse d'un dossier faite par un banquier humain, si je puis dire. Alors, on parle de décision automatisée en droit. Si c'est intégralement automatisé, ici, évidemment, ça produit un effet juridique. Alors, que dit le RGPD ? Eh bien, quand on veut faire du profilage et des décisions automatisées, il faut informer la personne, à nouveau, de la logique sous-jacente et des conséquences. Donc, si vous voulez profiler, en principe, vous devez dire, voilà, je traite vos données, c'est du profilage, et la logique sous-jacente, la façon dont vous êtes analysé, c'est votre capacité financière qui est analysée de telle et telle manière, éventuellement dans l'objectif de prendre telle et telle décision financière avec telle et telle décision automatisée, avec
telle conséquence pour vous. Et vous avez, en tant que personne, la possibilité de vous y opposer, sauf dans certains cas, bien entendu. Alors, donc, je peux m'opposer au profilage et à la décision automatisée, sauf si c'est vraiment nécessaire. Alors là, l'exemple qui est donné, c'est une entreprise qui a passé une offre d'emploi et qui reçoit 5000 candidatures. Bien, on estime que screener les 5000 candidatures de façon automatisée, eh bien, c'est légitime. Sauf si c'est autorisé par l'Union, par exemple, lutte contre la fraude fiscale, lutte contre le terrorisme, etc. Et sauf, troisième point, encore une fois, le consentement explicite de la personne. Alors, à nouveau, comme je vous le disais, le Parlement européen, tant en 2017 qu'en 2019, et c'est intéressant de voir que on a sur ce point-là, autant sur le statut de la robotique, il y a eu une évolution, autant sur l'exigence de transparence, c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance. On se rend compte que si on veut un contrôle démocratique, il faut que les gens puissent comprendre comment ça marche. Et donc, tant en 2017 qu'en 2019, le Parlement insiste sur la nécessité d'intégrer, alors comment ils ne le disent pas évidemment, mais d'intégrer des garanties et des possibilités de contrôle par l'homme dans les processus décisionnels automatiques et algorithmiques. Et comment est-ce qu'on va réaliser cet objectif miraculeux ? Eh bien, à nouveau, disent-ils, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tester en environnement réel dans les bacs à sable réglementaires. Alors, ce qui est amusant, et ça je dis ça en passant, c'est que certaines personnes essayent de réagir face à ça, et de conscientiser le public sur l'Internet des objets et l'espionnage généralisé que ça entraîne. Et donc, il y a une artiste qui a eu une idée assez, que je trouve assez géniale, qui est qu'elle se propose de venir installer des capteurs dans votre maison et de vous rendre les services d'une intelligence artificielle. Et donc, elle met des capteurs et elle vous observe. Et quand elle a l'impression que vous avez envie d'une tasse de café, elle amène une tasse de café. Quand elle a l'impression que vous voulez baisser le chauffage, elle baisse le chauffage. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte que tous ces services qu'on vous offre supposent qu'on vous observe. Et du coup, quand c'est une personne humaine, on est un peu gêné parce qu'elle voit que vous vous déshabillez, vous allez prendre, alors elle va vite allumer la douche. Donc vous vous rendez compte qu'en réalité, on anticipe vos mouvements et on vous observe. Et donc ça permet de faire prendre conscience de l'importance, enfin du caractère invasif, évidemment. Une autre réaction qu'on a vue, c'est la possibilité d'éviter la reconnaissance faciale grâce à certains types de coiffures et certains maquillages. Et donc ça permet d'éviter, parce qu'évidemment, dans tous ces mécanismes d'intelligence artificielle, un des éléments très en vogue, surtout dans les pays peut-être moins démocratiques, c'est d'essayer de reconnaître évidemment facialement. Et donc, on essaye de trouver des coiffures que la machine ne déchiffre pas. Mesdames, messieurs, si ça vous tente. Alors, donc ça, c'est pour un premier aspect, la protection de la vie privée. Autre aspect, c'est évidemment la responsabilité pour les dommages causés par l'intelligence artificielle. On pense évidemment en premier lieu aux voitures autonomes, même si c'est un petit peu moins à la mode cette année que ça ne l'était l'année passée. Mais on peut penser évidemment à des robots de nettoyage, à des drones de livraison, etc. Ça n'est évidemment pas limité aux voitures. Alors le problème qu'on s'est posé, c'est OK, un dommage est causé par, disons, une voiture autonome. Qui est responsable ? Ah, pas facile. Est-ce que c'est, comme pour une voiture normale, le propriétaire ou l'utilisateur ? Ben non. Parce que par définition, l'utilisateur n'a aucune influence sur la manière dont la voiture se conduit. Ça n'est pas la solution. Le fabricant de l'intelligence artificielle, oui, il est responsable sur base de la directive produit. Mais est-ce que c'est vraiment sur lui qu'il faut faire peser la responsabilité ? Souvent, ce sont de petites sociétés dont la solvabilité n'est pas nécessairement optimale. Et puis surtout, il maîtrise certes l'intelligence artificielle, mais pas l'interface avec la voiture. Et donc, est-ce que l'accident sera dû à l'intelligence artificielle ou à l'interfaçage avec le véhicule ? Ça, je vais expliquer. Alors, est-ce que ça doit être le fabricant de la voiture ? À nouveau, le fabricant de la voiture est responsable. C'est la fameuse directive sur la responsabilité des produits défectueux. L'avantage du fabricant de la voiture, c'est que ce sont des grosses entreprises, par définition, qui sont solvables, et qu'ils connaissent leur véhicule. Ils maîtrisent l'interface et en théorie, ils doivent comprendre l'intelligence artificielle qu'ils mettent dedans. Donc, ils ont le meilleur point de vue
sur l'objet, et donc ils sont les plus à même d'assurer la responsabilité. Le problème néanmoins est que l'intelligence artificielle va évoluer en fonction de son apprentissage, et donc la prévisibilité du risque à terme diminue évidemment. Quand la voiture est mise sur le marché, on la connaît, on sait comment elle va réagir, mais est-ce qu'on sait encore comment elle va réagir quand elle aura été entraînée et qu'elle aura circulé pendant 2 ans? Elle aura peut-être pris de mauvaises habitudes. Et donc, c'est évidemment pas évident. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas dire que, finalement, c'est la voiture elle-même qui est responsable? En effet, dit le Parlement européen, qui a envie d'être très créatif, elle dit, ben, c'est, ça c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est la voiture elle-même? Le frigo, votre frigo est responsable. Vous avez mal mangé, il a explosé, c'est le frigo qui est responsable. Et en fait, ces objets intelligents, il suffit de les assurer, de créer un fonds d'assurance. Et donc, quand il y aurait un problème, eh ben, vous pourriez faire appel, ils auraient un numéro particulier, ils auraient une assurance particulière, et ils seraient eux-mêmes responsables des dommages qu'ils causent. Alors, je vous ai dit que, pour l'instant, cette option n'était pas regardée avec faveur par la Commission. Autre cas, parce qu'il y a la voiture autonome, mais il y a aussi l'implant. On peut vous mettre une lentille qui vous permet de mieux voir dans telle ou telle circonstance, on peut vous greffer un membre, etc. Que se passe-t-il si c'est suite à cet implant que vous causez un dommage? Par exemple, vous avez des implants oculaires et à un certain moment, ils dysfonctionnent et vous voyez mal et vous faites un accident. Ou alors, vous avez un bras automatisé et il gifle votre contrôleur fiscal et vous dites, écoutez, je suis désolé, c'est pas moi, c'est parti tout seul, j'ai pas maîtrisé. Alors, l'implant est considéré comme une personne par destination en droit. Donc une personne par destination, c'est-à-dire que dans la mesure où elle est intégrée dans le corps humain, eh bien, elle devient un élément du corps humain. Et donc, par conséquent, si l'individu contrôle l'implant, eh bien, le dommage causé par l'implant sera considéré comme un dommage causé par l'individu dont il sera responsable. Jusque-là, tout va bien. Si, par contre, l'individu ne contrôle pas l'implant, ou qu'il peut démontrer qu'à tel moment, eh bien, son implant a agi à l'insu de son plein gré, eh bien, dans ce cas-là, il pourra invoquer, le cas échéant, la force majeure, en disant, certes, c'est mon bras, mais en réalité, comme je ne le contrôle pas, c'est un cas de force majeure. Et s'il est néanmoins considéré comme responsable, il pourra alors se retourner contre le fabricant de l'implant sur base de la responsabilité pour produit défectueux. Voilà donc pour le problème de la responsabilité. J'espère que je suis un peu tard. Bon, je vais aller vite là, je vais juste faire le droit d'auteur. Alors, dernier problème, ce sont les œuvres créées par le droit d'auteur. Donc, je vous ai dit que maintenant, on a mis au point des logiciels. Par exemple, ici, c'est un logiciel qui a analysé toutes les œuvres de Rembrandt et qui a créé un vrai faux Rembrandt. Donc, c'est vraiment un Rembrandt, comme Rembrandt aurait pu le peindre, sauf que ça a été réalisé par la machine. Il y a ici aussi une œuvre qui a été vendue, mais cette fois-ci, comme c'est en mai 2019, c'est un peu moins hype, donc elle a été vendue un peu moins cher, quand même 51 000 $ pour une œuvre à nouveau créée par une intelligence artificielle. Alors ça, c'est moi qui ai vu à Paris, c'était fascinant. C'est donc une nature morte réalisée par, comme vous le voyez, par des intelligences artificielles, c'est vraiment très sympa. Vous avez aussi, mais ça c'est plutôt un effet de mode, donc Philippe Starck et Cartel, qui disent avoir créé la première chaise par intelligence artificielle pour minimiser la quantité de matière. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est surtout du marketing. Par contre, ça c'est vrai, Patrick Jouin a présenté une chaise, lui aussi, donc qui était à la fois imprimée en 3D et créée par de l'intelligence artificielle, toujours dans l'optique de minimiser la matière. Et puis vous avez aussi la musique créée par intelligence artificielle, et notamment un logiciel de Sony Computer Science Lab qui analyse les caractéristiques d'un ensemble. Par exemple, vous dites, j'aimerais bien du Sidney Bechet, eh bien, il va analyser toute l'œuvre de Sidney Bechet, définir les patterns, définir le rythme, etc., et recréer une musique sur base du modèle dégagé. Alors, c'est évidemment, a priori, l'Eldorado pour les producteurs, parce que votre intelligence artificielle, vous ne devez pas la rémunérer, par définition. Elle n'a pas d'agent, il n'y a pas de commission à payer, il n'y a pas de droit d'auteur, elle tombe pas, elle c'est pas une diva, elle ne va pas vous dire, tant que je n'ai pas mangé des fraises, je ne chante pas. Elle ne part pas en vacances, elle ne tombe pas enceinte, elle n'est pas malade, elle ne se pose pas de questions existentielles. L'intelligence artificielle vérifie elle-même qu'il n'y a pas de plagiat. Donc vous avez déjà ce problème en moins. Elle crée 24 heures sur 24. Et puis surtout, très important pour les Chinois, vous pouvez la programmer de telle manière à ce qu'elle fasse du politiquement correct. Elle va toujours être dans les clous, il n'y a pas de souci. Donc,
c'est l'Eldorado. Le problème, évidemment, c'est, oui, mais est-ce que ces créations de la machine, c'est protégé par le droit d'auteur ? Alors là, pour faire vite, il faut distinguer deux cas. Premier cas, l'œuvre est le résultat d'une collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle fait des propositions, mais il y a un être humain qui intervient dans le processus et qui fait un choix. Si on est dans ce cas-là, c'est protégé. Parce que vous pourrez dire, il y a eu un choix libre et créatif, donc c'est protégé. Alors, en effet, dans ce cas-là, eh bien, l'intelligence artificielle, c'est en réalité un peu comme un outil. Puisqu'il y a quelqu'un qui vient sélectionner, l'être humain intervient, l'intelligence artificielle intervient comme un outil. Et on avait déjà eu un cas tout à fait semblable à la fin du 19e siècle, où on s'était demandé si une photographie pouvait être protégée par le droit d'auteur. C'est exactement la même chose, on disait, c'est la machine qui a fait la photo. Non, a dit la Cour suprême, a dit, la photographie d'Oscar Wilde, néanmoins, est une œuvre parce que l'auteur a réalisé des choix libres et créatifs, la machine l'a aidé, mais c'est un être humain. Si par contre, ça c'est le premier cas, facile. Deuxième cas, l'œuvre est faite uniquement par l'intelligence artificielle. Là, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que quand on regarde la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on voit que pour que ce soit protégé, il faut qu'il y ait des choix libres et créatifs. Mais une machine n'a pas de liberté, ne va pas faire des choix libres et créatifs, évidemment. Et donc, dans l'Union européenne, on va dire non, ça n'est pas protégé. Alors, aux États-Unis, on arrive plus ou moins à la même solution, comme on va le voir, puisqu'on dit qu'une œuvre est protégée si elle est le fruit du travail intellectuel et qu'elle est fondée dans les pouvoirs créatifs de l'esprit. Une machine n'a pas d'esprit. Donc, à nouveau, on a plutôt tendance à dire « ben non ». Alors, la question s'est posée à propos de cette personne, de cette machine. Quelle était la situation ? Eh bien, un photographe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David Slater, avait décidé de laisser dans la jungle des appareils photo. Et il les avait laissés là où il savait que les macaques se réunissaient. Et puis, il y a des macaques qui sont venus, qui ont joué avec les appareils photo, et ils ont pris une photo. Et avouez que la photo est géniale, quoi. Vraiment, le selfie est super. Un beau selfie. Et donc, le selfie est devenu viral sur Internet. Et à un certain moment, David Slater s'est dit, ce selfie est viral, moi j'aimerais bien gagner un peu d'argent avec mon selfie. Et donc, il a commencé à écrire aux gens qui utilisaient la photo en disant « c'est ma photo, il faut me payer ». C'est là qu'une organisation de défense des macaques a dit « mais pas du tout, les droits d'auteur appartiennent à ce macaque qui d'ailleurs s'appelle Naruto ». Et c'est Naruto qui doit avoir les droits d'auteur. Et ça tombe bien, je le représente. Donc, vous allez me payer à moi. Alors, évidemment, la question, c'était, est-ce qu'une photo créée par un singe peut être protégée par le droit d'auteur ? Et là, il y a eu une première décision en 2019 où la Cour dit, non. Pourquoi ? Non, parce que quand vous regardez les termes de la loi, on parle d'esprit, mais on parle aussi les enfants de l'auteur, les petits-enfants de l'auteur, la veuve de l'auteur dans le droit américain. Donc, une machine, un animal, n'a pas d'enfants, de petits-enfants, de veuves, en tout cas pas au sens de la loi. Alors, malheureusement, ça n'a pas été juste au bout, donc on ne sait pas ce que la Cour suprême aurait dit, ça a été réglé à l'amiable. Ils ont partagé les bénéfices entre l'association qui représentait fort opportunément le macaque et le photographe. Mais ça a amené le Copyright Office à émettre une règle. Il a changé sa pratique et il a dit, à partir de maintenant, nous n'allons enregistrer les œuvres protégées par le droit d'auteur que si l'œuvre a été créée par un être humain. On leur aurait demandé ça il y a 10 ans, ils auraient dit, on n'a pas besoin de le dire. Ben là, maintenant, oui, ils le disent parce que ça n'est plus évident. Alors, le parallèle, évidemment, avec les animaux est évident. Parce que ils sont semblables à l'intelligence artificielle. Ils sont autonomes, ils interagissent, ils prennent des décisions, mais ce ne sont pas des personnes. Et donc, si on reconnaît que les œuvres créées par l'intelligence artificielle sont protégées par le droit d'auteur, alors il faut reconnaître que la toile d'araignée de l'animal, la termitière ou les tableaux faits par des singes sont protégés par le droit d'auteur aussi, protégés par des entités qui créent de façon autonome, après avoir appris en interagissant. Donc, voilà. Évidemment, c'est un terrain extrêmement glissant. Mais d'un autre côté, l'industrie, elle veut aussi que ce soit protégé. Parce qu'elle dit, mais nous, on a investi des millions, donc le produit, tout ce qui est réalisé avec nos machines, on aimerait bien entendu, se l'approprier.
Mais si on leur donne la propriété de leurs objets, créés par l'intelligence artificielle, il y aura un effet rebond, évidemment, sur les créations animales. Alors, comme on est un petit peu à court de temps, je vais aller vite. Remarquons que la jurisprudence américaine est très amusante parce qu'elle n'est pas totalement constante. Il y a eu un cas assez amusant où il y avait une fondation Urantia qui était une sorte de secte et qui diffusait un livre contre Monet, Sonate et Frédéric Buchant qui était écrit, disait-il, par le conseiller divin, le chef des corps de personnalité super universelle et le chef des archanges de Nébadon. Et nous, ils nous ont parlé, on a écrit ce bouquin, enfin, c'est pas nous, on a tenu la plume pour les archanges de Nébadon, et voilà. Et puis, il y avait un membre de la secte qui était tout à fait convaincu du truc, et il s'est dit, oh, c'est fabuleux, ce que je vais faire, c'est quand même un peu difficile d'accès, je vais éditer les textes de l'archange de Nébadon avec des commentaires pour que l'Américain moyen puisse comprendre. Alors, la fondation n'était évidemment pas contente parce qu'il diffusait son texte gratuitement. Donc, il dit, je vais l'attaquer en contrefaçon. Mais je peux difficilement dire que c'est moi qui ai écrit les textes, parce que si je dis que c'est moi qui ai écrit les textes, tous mes adhérents vont s'en aller. Donc ils ont bien été obligés d'admettre, si, c'est quand même l'archange de Nébadon. Et alors la question s'est posée, oui, mais est-ce que l'archange de Nébadon peut être propriétaire d'un droit d'auteur, hein? Bonne question. Est-ce qu'une œuvre créée par des êtres célestes est protégée par le droit d'auteur? Et là, la cour qui marchait sur des œufs, évidemment, a dit, bah, écoutez, en fait, non, il faut une entité terrestre. Il y a droit d'auteur s'il y a entité terrestre. Mais non, il n'y a pas eu de débat sur la question de savoir si l'œuvre était le fruit du travail créatif de l'archange de Nébadon, puisque la fondation ne pouvait pas le contester, sinon ils auraient perdu tous leurs adhérents, et le copieur était parfaitement convaincu. Donc elle a dit non, il faut une entité terrestre. Mais si on dit une entité terrestre, ça n'exclut pas l'intelligence artificielle, évidemment. Donc, remarquons que, donc, en Europe, il faut retenir, dans l'état actuel de la jurisprudence, quand une œuvre est créée par l'intelligence artificielle toute seule, ce n'est pas protégé. Mais ce n'est pas vrai en Angleterre et ce n'est pas vrai dans les pays du Commonwealth, puisque en Angleterre, l'Angleterre n'a jamais été dans l'Europe, donc ils se fichent de la jurisprudence de la Cour de justice comme de la première chemise. Et eux, ils ont un article dans leur loi qui dit que les œuvres générées par ordinateur peuvent être protégées par le droit d'auteur. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'œuvre créée par la machine seule n'est pas protégée par le droit d'auteur, elle est donc dans le domaine public. Mais si elle est dans le domaine public, évidemment, ça décourage l'investissement dans l'intelligence artificielle, puisque tout ce que va produire votre machine va tomber dans le domaine public. Ça, il n'y en a pas bon pour les affaires. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certains se disent, on pourrait peut-être faire une nouvelle directive européenne pour dire que ces œuvres sont protégées. Mais il faudra qu'on trouve un critère. Et alors, on va faire une discrimination. Quand c'est des humains, ce sera les choix libres et créatifs. Et quand c'est des machines, ce sera quoi, alors? Pas facile. Ou alors, est-ce qu'il faut créer un nouveau droit, qui ne serait pas du droit d'auteur, qui serait une sorte de droit sui generis? Pas facile non plus. Ou alors, est-ce qu'on laisse les œuvres dans le domaine public? Mais ça, je peux déjà vous dire que ça ne sera pas le cas. Alors, à supposer qu'on dit, OK, on va trouver une solution. On va donner du droit d'auteur sur les œuvres de l'intelligence artificielle. Ah, à qui? À l'utilisateur de l'intelligence artificielle? Ben non, parce que lui, il pousse sur un bouton. Au propriétaire de l'intelligence artificielle? Ben non, le propriétaire du logiciel, je veux dire, son lien avec l'œuvre, il est nul, évidemment. Au créateur de l'IA, ah, ça, pour le coup, ça a une certaine raison, parce que c'est finalement, l'œuvre est un produit dérivé du logiciel. Donc, il y a un lien. Et d'ailleurs, c'est la solution retenue en Angleterre. Alors, est-ce qu'on doit plutôt donner le droit d'auteur à l'investisseur dans l'intelligence artificielle? Parce que si votre objectif, c'est d'encourager l'investissement, alors on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, on va donner les droits à l'investisseur. Ça, c'est en ligne avec la justification du droit d'auteur de type utilitariste. Et là, pour le coup, on ne se pose plus la question de savoir s'il y a un lien. Donc ça, c'est une solution qui a assez bien de défenseurs. Alors, dernière solution, prônée par le Parlement européen, c'est de dire, non, on va donner les droits à la machine elle-même. Mais on a vu que ce n'était pas nécessairement facile. Alors, autre question liée au droit d'auteur, c'est l'intelligence artificielle peut-elle être contrefacteur? Vous allez me dire, en principe, elle est programmée pour ne pas le faire. Mais enfin, néanmoins, ça peut arriver. Alors, il faut distinguer deux cas. Premier cas, il y a une contrefaçon dans l'input, dans ce que vous donnez à manger à la machine. Et puis, deuxième cas, il y a une contrefaçon dans ce que la machine produit. Premier cas, vous avez une machine, vous voulez l'entraîner.
et vous dites je vais l'entraîner en lui mettant des reproductions d'œuvres d'art. Ben là, c'est très clair, vous êtes contrefacteur. Vous êtes contrefacteur parce que vous nourrissez la machine et vous mettez dans sa base de données des reproductions d'œuvres protégées. Solution est assez évidente en droit européen, c'est que vous commettez des actes de contrefaçon. Deuxième cas un peu plus complexe, c'est quand la contrefaçon est l'output de la machine. Donc à nouveau, même si la machine est en principe entraînée pour ne pas le faire, elle peut, dans ce qu'elle produit, commettre un acte de contrefaçon. Et d'ailleurs, il y a un cas au Canada actuellement où un gars avait imaginé une machine. Monsieur Bazanta, il met en ligne des images créées par l'intelligence artificielle. Et cette image est comparée avec une base de données, avec une infinité d'œuvres. Et quand il trouve un match, quand l'intelligence artificielle estime qu'il y a des points communs, alors c'est affiché en ligne avec le pourcentage de matchs. Et donc ici, la machine avait estimé que cette image générée par ordinateur matchait avec l'œuvre de Chamandy. Et Chamandy a donc attaqué en disant « mais c'est une contrefaçon ». Donc la question est, est-ce que ça peut être une contrefaçon alors que c'est simplement la machine qui a généré le résultat ? Et est-ce qu'on peut considérer que c'est du fair use ? Eh bien, l'affaire est pendante. Et à nouveau, à supposer qu'on estime que oui, il y a contrefaçon, on aura à nouveau la même question, qui va être responsable ? Et est-ce qu'on pourrait considérer que le fait que le logiciel produise une contrefaçon est un défaut du logiciel ? C'est, c'est la responsabilité des produits défectueux. Vous avez mis sur le marché un logiciel qui est affecté d'un vice parce qu'il cause des contrefaçons. Donc c'est possible. Alors le problème, évidemment, de dire que le produit est défectueux, c'est que dans la directive sur les produits défectueux qui date des années 80, d'abord, ça ne concerne que les dommages aux consommateurs. Deuxièmement, dans les années 80, il y avait des objets. Donc ça concerne les objets mobiliers, mais le software, ce n'est pas un objet mobilier. Et est-ce qu'une contrefaçon est un défaut du produit ? Ce n'est pas évident non plus. Mais alors, à nouveau, en mai 2018, la Commission a décidé d'évaluer cette directive de 85 et de voir ce qu'on en faisait. Enfin, et puis je m'arrêterai là, à supposer même qu'on décide que les œuvres créées par l'intelligence artificielle sont protégées par le droit d'auteur, on n'est pas encore sorti de l'auberge, parce que la durée du droit d'auteur, c'est 70 ans à compter de la mort de l'auteur. Alors, comment on fait quand c'est l'intelligence artificielle qui est éternelle ? Et par ailleurs, l'auteur a des droits moraux pour protéger son honneur et sa réputation. Est-ce qu'on va protéger l'honneur et la réputation de la machine ? Ça n'est pas évident non plus. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Mais avec plaisir. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Ouais, ça va aller vite. Merci. En fait, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est sur l'exposition Artistes et robots au Grand Palais. En fait, majoritairement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et donc, typiquement, l'exemple de dessin qui est fait, c'est simplement de l'extraction de contours sur des images. Et puis, la machine qui reproduit le contour, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de machine learning ou d'IA derrière ce type de... Ok. D'accord. Alors, j'ai une question sur l'aspect droit d'auteur. En fait, dans le droit d'auteur, on dit qu'il y a droit d'auteur si l'œuvre reflète la personnalité de l'auteur. Alors, si on regarde le fonctionnement de systèmes comme le deep learning, par exemple, le principe, c'est d'extraire des features, des caractéristiques d'œuvres existantes. Et puis, on va aller les réinjecter sur d'autres, sur des créations par l'IA. Donc, ça donne par exemple un tableau de Van Gogh dont les caractéristiques sont extraites, appliquées sur une photo, et ça donne la photo à la manière de Van Gogh. Donc, j'ai envie de dire, par définition, il n'y a pas d'activité créative par derrière, puisqu'en fait, on a toujours une application des caractéristiques de l'auteur original. Donc, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait attribuer une quelconque originalité, un quelconque droit d'auteur à une œuvre produite par l'IA. Alors, c'est vrai pour les photos,